Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, l'Éternel. Avec moi, ça y est, nous vous saluer. Et tout audience, tout bien-aimé qui est ensemble, qui est avec nous. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui à la maison, qui a suivi, et ou même qui a visité nos tours. Et nous saluons que mon Dieu est capable de venir. Dimanche passé, nous avons commencé pour nous dire, chaque fois que nous arrivons dans le mois de mars, c'est côté l'étape une erreur de notre part, si nous ne prenons pas un petit temps pour nous enseigner sur ce que Dieu dit et comment nous sommes capables de manager ce que mon Dieu libère nous pour nous capables comme des bons économes, pour nous capables de gérer pour lui. Nous t'ai expliqué que Bible, tout le monde conserve focus. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, qu'il est pour Christ vite chercher pour mal dans le ciel. On n'est pas en souffrance, on n'est pas bien crié, pas bien aucun problème, pas bien payé bill, qui pas bien trafic, qui pas bien guerre, bruit de guerre, qui pas bien tremblement de terre, qui pas bien cancer, chimiothérapie, radiation, qui pas bien tout, aucun bagage. Mais pendant que la Bible là, c'est ça qui espoir nous, c'est pour ça que nous vivons à servir mon Dieu, mais nous jouons là-dedans, la Bible là, gagne plus parler de l'argent, de l'économie, pendant la Bible là, le ciel, avec la foi. Et c'est raison ça, nous-mêmes, tout, nous ne sommes pas plus juste que le royaliste. Et pour ne pas parler de lui-même, dès que nous te disons, c'est un sujet ou bien c'est un topic qui cause un peu de monde qui a un problème avec l'Église parce qu'il y a demandé, mais pour qui ça? De pour vivre l'Église, c'est demandé à demander. Et pour réaliser l'Église, c'est seul côté où venir et où volontairement où faire une partie de la congrégation. Volontairement, c'est vous venir. Mais vous voulez pour toute bagaille venir gratis pour vous. Pendant que vous venez volontairement. Ça fait que je dis ça parce que là, où vous avez un peu chic pour l'on série de côté, nous avons parlé un dimanche là, Jim, vous pouvez utiliser vrai. Vous payez chaque mois pour lui. C'est au côté de tête où aller. Et pour aller en obligation, payer obligation. Il y a nous qui gagnons une TV la caille, nous payons pour chaque mois, nous payons pas temps pour la télévision. Nous payons pour Netflix, nous payons pas temps pour nous utiliser. Nous prenons la bourse sur 40 nous, chaque mois. Sans compter l'autre, ça nous gagne encore, que nous avons payé pour nous, service que nous pas utiliser. Après moi, ça nous a souhaité qu'on y a pour faire un inventaire dans la vie ou pour garder pour vous, ça ou bien, est-ce qu'on a besoin de vous? Il doit payer pour vous, est-ce qu'on a réellement utilisé vous? Si on ne pas utilisé vous, vous êtes capable de mal utiliser l'argent que mon Dieu va vous. Si vous ne travaillez pas pour cadiller, si vous ne faites pas faire des ans, ou quel que soit compagnie qui fait machine, non? Chaque semaine, nous prenons, chaque semaine, nous prenons, nous prenons, nous prenons, l'argent, ou dépenser le mauvais côté. Nous te dit quelqu'un de cela. Si l'on paquet machine, ou fini paquet machine, non? Ou rentrer dans la chambre, ou déshabiller, ou the wheel is still turning, comprendre, décoration qui n'a rien, à virer, l'argent dépensé, mon Dieu. Si vous achetez un marché, ou pas un homme, regardez-moi une superstar ou un marché, mais c'est des faits pour ces marchés, qui coûtait 1,5 million. Alors, vous gagnez 8 millions de dollars pour mettre un marché. Même si c'est à tel âge, même si c'est à tel âge, je me garantis que je ne vais pas mettre même 1 million de machines, voire que je vais mettre 1 million de machines.
Le problème, non, c'est que vous ne comprenez pas comment vous êtes capable d'utiliser l'argent que vous êtes supposé à manager. Nous avons expliqué dimanche passé qu'il y avait un peu de l'écrivain pour être capable d'expliquer au peuple ou bien parler avec eux, résoudre une série de problèmes qui a passé à l'église corrente. Nous disons que le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, il était parlé de souffrance libre et il parlait comment pour ne pas mettre nous sur un jour infidèle avec les gens qui ne sont pas convertis. Il parlait de la joie de chapitre 7 là. Il parlait de chapitre 8 là de l'église qui c'est la Macédoine. L'église a passé un tourment. Tu as eu un problème. L'église a fait très pauvre. Mais ils ont fait une offrande pour être capable d'aider les saints. Apôtre Paul a supprimé pour lui qui va les propres contribuer au-delà de ça et posséder et même gagner. À travers les difficultés, ils gagner, mais pour être capable de subvenir aux besoins de l'autre. Apôtre Paul fait éloge. Chapitre 9, il est arrivé pour l'expliquer, pour lui dire déjà fait éloge nous, la papa Corinthien, pour éloge nous pour me parler, comment nous y est profond, nous te promettons. Et ça fait comme chapitre 9 pour le dire. Et il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet, 2 Corinthiens chapitre 9, votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Il était grand temps à parler, à faire éloge pour vous. En déclarant que la Caïe est prête depuis l'année dernière et se gère de votre part à stimuler le plus grand nombre. Les apprécier et expliquer. Mais dans le verset 6 là, les venus pour le bailler, verset, où il dit sachez le bien. C'est la loi de la nature. Et même si mon t'a dit, il n'est pas vrai, la nature là, est vrai parce qu'il fait expérience dans moi. Sorcerer, c'est son récolte. Sorcerer peu, ou à récolter peu. Ou semer en pile, ou à récolter en pile. Ma problème, moi, aller la peinture, moi, prendre un poignet de bois, planter. Je ne sais pas de quoi, mais pas de quoi pour me déchirer avec personne. L'autre année, je vais m'acheter un sachet planté. Je vais me déchirer pour me capable. Je vais me déchirer là-dedans. Je vais me déchirer. Tout ça me fait toujours un pasteur de en premier. Je vais m'acheter un sachet de planté. Je vais me l'autre année, m'acheter deux. L'autre année, m'acheter trois. Ainsi de suite, ça vient montrer l'or ou planter. L'or se met peu ou écolter peu. L'or se met en pile ou écolter en pile. Et livrer tout dans toute réalité de la vie. L'or étudier en pile ou préparer tête en pile ou gagner un diplôme. L'argent augmenté ou grand plus bon travail, l'air ou prend soin de tout bien ou grand plus bon santé, l'air ou prépare les diètes ou bien ou plus qu'à respirer bien ou plus qu'à dormir bien ou pas profiter de l'abdomen pour faire ça parce que vous n'avez pas vu le web. Ça veut dire tout le bagaille, les rebonds ou la façon dont vous faites là pour gérer la vie ou manifester. C'est la raison que ça a été dit. C'est une loi liée, sachez le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'est une loi liée. Le verset 7 là, qui s'est côté de nous, un thème pendant moi, ça, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dès que vous avez dit qui va aller pour vous, là, vous point d'interrogation qui nous met dans la dedans. Depuis mon abdio, qui va l'école pour bailler? Besoin pour chaque monde bailler 50 dollars, pour chaque monde bailler 1000 dollars, pour chaque monde bailler 10 000 dollars, pour chaque monde bailler 500 dollars. Depuis on a dicté pour nous, il y a quand même lien avec mathématiques ça pour nous. Nous besoin de tout. Si nous gagnons, tout le monde a contribué à ce niveau, nous capables de riche niveau ça, dans tel ça. Mais là,
camper là, bon, besoin 100 dollars américains pour y aller là, pour porter le bon moins. 500 dollars américains pour y aller là, besoin là, pour porter le bon moins. Là, pour y aller là, mais c'est ça, même les dîmes, c'est pour bailler comme les besoins. Amen. Moi, t'as dit une bagaille, l'homme bâle une bagaille, ou besoin bâle une bagaille qui est chère à vous-même. Une bagaille pour bâle une valeur. C'est pas ça, pas besoin ou bâle une. C'est parce qu'on n'a pas besoin de bailler. Amen. Amen. Et nous te dis, c'est parce que ARS n'a pas fait de confiance qui permet de payer en l'air. Il n'y a pas de taxe là parce qu'il n'a pas de confiance. Mais nous te dis, par contre, bien que nous te barons, c'est pour nous te montrer que tout le bagage c'est pour mon Dieu. Bon Dieu, faut confiance, c'est tellement même. Ou même l'équipe avec disposition de cœur pour capable de faire ça pour faire. Mais sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alors il dit quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon Dieu seulement besoin au monde, mon Dieu avec monde qui baille avec joie. Et ça nous dit oh, Dieu aime moi, maintenant Dieu aime celui qui donne avec joie. So là on va bailler avec joie, bon Dieu aime ça. Nous t'ai parlé dimanche passé à pour nous te dire tout bagage c'est pour Dieu. Quel que soit sa lié ou tu viens nous joindre là ou pour nous quitter là. Tu joindre nous là ou pour nous quitter là pour parler avec lui même si on t'a fait dans ce cœur ou pas qu'à utiliser ou pas connaître les pas utiliser de se faire et tout bagage c'est pour Dieu. Et mais nous t'ai dit bon Dieu maintenant pour nous manager. Deuxièmement nous t'ai dit pour mettre bon Dieu pour aimer dans tout ce qu'on fait. Lorsque vous mettez mon Dieu premier dans tout ce que vous faites, laissez-le, vous va avoir une différence. Dès que vous mettez mon Dieu en premier, ou pas dernier. Parce que mon Dieu promet, après Israël, il dit, nous pas que, mais nous pas toujours que. Les nous honorer, les nous obéir à commandement, les nous suivre principe, les nous faire ça, nous fait, nous pas bien que, mais nous toujours tête. Ça, c'est promesse qu'il fait avec Israël. Et vous même tout, quand vous mon Dieu, quand vous marchez avec mon Dieu, c'est promesse ça, et tout, vous êtes capable de valoir. Nous t'expliquons dimanche passé à pour nous te dire honore l'Éternel avec tes biens et avec les derniers de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Là, moi, je vais vous dire encore. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les derniers de tout ton revenu. Oh, oui. All right. Je pense que vite pas maintenant te dit pour te honorer mon Dieu avec de leftovers, avec de l'astin qui réduit. Mais semblait frère Laurent Bible parle là dans les dit avec les promesses. Ceci avec ces promesses, il dit, c'est ça nous te dit, vous mettez mon Dieu en premier parce que ce n'est pas leftovers. La Bible a dit, ce n'est pas ça, vous n'avez pas besoin, ce n'est pas l'heure qui fait toute bagaille. Mais toujours mettez mon Dieu en premier, parce que depuis mon Dieu en premier, ou même les garanties, vous ne pouvez jamais là. Amen. Mais une fois, nous avons l'impression que nous lisons, nous ne parlons pas de l'islam, mais nous aussi de l'île. Regardez. Pourquoi ça vous met? Il dit l'homme mettez mon Dieu en premier. Galatao a toujours marqué. Boki du veillot a pris la. Ça, c'est ça que l'on a dit, oui. L'homme était mon Dieu en premier, ou pas jamais manqué. Mais, est-ce que nous-mêmes, nous mettons mon Dieu en premier? Si vous avez besoin pour des succès, le mariage, mettez mon Dieu en premier. La finance, baille mon Dieu en première place. La décision qu'on apprend chaque jour, baille mon Dieu en première place. La carrière, baille mon Dieu en première place. Ou pas comment on a l'école? Là, la femme nous décrit, mais il y a pas de place de rien. Il y a pas de place de rien. Pour qu'il s'allie aller avec Dieu seulement, bien ça le tenter. Mais il n'y a pas de décision avec mon Dieu. Pour qu'il n'y a pas de décision avec mon Dieu, il y a un degré à la même, c'est vrai. Mais lui-même, il n'y a pas de vivre sous degré à la souffrir. Il a souffri après toute misère qui passe pour gagner. Parce qu'il n'y a pas de prendre degré à la décision de mon Dieu. Ou bien il n'y a pas de demander mon Dieu qui est-ce qu'on prend. Parce qu'il n'y a pas de gagner une double. Tout haïtien, mais je suis petit avec docteur ingénieur. Avocat, il va t'arriver le petit. Mais peut-être, petit n'arrive pour qu'on parle, c'est pas ça le capable de faire.
Ça vient permettre qu'on y a là, qu'on ne parle d'Haïtien qu'on y a là, qui dégage le agronome. Pour qui ça? Parce que lui, facile pour venir à agronome. Mais ce n'est pas ça qu'on le fait. Et puis depuis venir à agronome, après ça, on cherche un autre bagage. Parce que ça, parce qu'il est capable de satisfaire par eux. Si vous mettez mon Dieu dans la relation, dans la relation, vous mettez mon Dieu en premier, et vous avez besoin de succès, mettez mon Dieu en premier. Dans le business, si vous mettez mon Dieu en succès, mettez mon Dieu en premier. Dans le temps, dans la vie, dès que vous avez besoin de succès, mettez mon Dieu en premier. En pile fois, nous inquiétons-nous sur l'argent. Comment pour nous gagner l'argent? Comment pour nous dépenser l'argent? Comment pour nous économiser l'argent? Comment pour nous bailler l'argent? Et comment pour nous investir l'argent? Mais nous parlons d'investir. Investir a créé des problèmes parce que tout chrétien comprend que les chrétiens sont moins satisfaits sur la terre avec un petit cage. Avec mes biens que bon Dieu va moins. Ils prennent dans l'autre contexte. Ça ne permet pas d'investir. Et puis, ils ne pas faire aucun effort avec tes yeux. Ils font comme ça. Ils mourent comme ça parce qu'ils pensent que c'est un péché. Ou a besoin de quelqu'un qui m'aime prêter la Bible pour le doux et le pour mon esprit. Pour le voir, il est pauvre. Vous comprenez? Il met l'esprit à l'air également. Peut-être qu'il y a un vrai problème. Il y a ça. Il met l'esprit à l'air également. Il y a un vieux style. Il n'y a là. Pas faire aucun effort parce que la Bible dit et le pauvre. Mes chers amis, lors de Matthieu 24, dans Matthieu 25, à la Bible, nous jouons que c'est vite ça qui est prêt à aller. Parole de talent, on va parler de souris parce que je n'ai pas entendu devant nous, on va parler de souris. Libaye, chaque monde selon capacité. Yes. Et ma pote un phase sur ça me dit. Bon Dieu, barou selon capacité. Yes. Il y a des choses que Dieu a dit, la guerre, mais on fou. Yes. On fou. On a privé de mon verset qui parle de ça, oui, on a privé souris. Mais chaque point, il y a le travail avec lui. Et puis, au côté, en plus, il met à l'aide. Mais mon dernier, il y a un serviteur qui m'a parlé à le serrer le bâtiment. Et puis, il met à tout toucher des négatifs pour notre échange. Toute excuse pour le côté venir, moi, qu'on est, on fait ceci, on prend un côté, on fait ceci, on fait cela. Mais mon bagage est-il, ou te quand mettre la banque, on t'a dit, on dit, on dit, on dit, on dit. Bien que nous connaissons banque, c'est investi pour tête, yo. Yo, même pour qu'on ne pas voir un vrai. Mais c'est une forme pour parler que mettez le chita là, pas réaliser rien. Mais si vous êtes déposé de l'autre côté, à c'est qu'il y a un peu plus qui monte sur lui. C'est ça le dit là. Ça a envie de dire que souvent ou encore, ou investir, pas comprendre son péché. Ben Franklin, te dit, you should never put all your eggs. Et nous, on va se faire. Mais là, il dit ça, bien, le monde comprend, c'est. Oh, parce que c'est un génie sélectif. Mais ça veut dire que tu as répété ça depuis quand tu es dans la mort. Amen. Dans Deutéronome 11, et puis verset 1er et 2, il te dit au consacré, pour ne pas mettre tout le bagage de mon côté, investis en 7. Yes, en 8. Parce qu'au bas, jamais on est dans la vie à la côté. Pas investir un seul côté, investir plusieurs côtés, si ça. Le problème, why not ça? Ça veut dire que lui parle au cœur ou capable d'investir. So, ce n'est pas lui-même qui te dit, mais tu es déjà dans la Bible, déjà. Ça fait tout, pas de rien, et de nouveau sur le soleil. So, therefore, ou c'est chrétien, pas que quelqu'un qui dit, ou que c'est chrétien, ou pas qu'à investir, ou travailler au fond comme, ou qu'il est dans le bagage, pour aller investir, la fait comme, ou même pour ne pas avoir pour le faire. Vous pouvez investir comme vous, vous pouvez acheter avec Financial Planner, vous pouvez chercher côté, vous investir comme vous, vous pouvez faire comme la travail, ou même pour ne pas mourir de faim. Nous l'avons compris? Oui. Ah ouais. De ce fait, relation pour gagner avec l'argent, je l'ai dit en ville. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Moi, je te dis, lorsque vous avez l'argent, il y a une cause pour gagner la maladie sur vous. Stress. Mettez, faire maladie de tout le monde. Lorsque vous avez l'argent, vous avez stress. Lorsque vous stress, vous faites sucre, vous faites sel, vous faites toute qualité de maladie qu'on a. Mais les toutes fois qu'on a besoin de quoi, ou pas pour vous, comment vous avez déjà payé, ou pas pour vous, comment vous avez acheté un galon net,
Ou pas croire comment bien téléphone d'avoir le payer, comment bien gaz d'avoir le payer, ça permet de dormir qui est posé, ou dormir en paix, ça permet de stress pas rentrer pour capable prendre la santé. Et c'est raison ça qui fait nous dire relation avec l'argent, l'écouter en pile. Mais pendant que nous disons relation avec l'argent, l'écouter en pile, maintenant nous avons besoin d'attirer attention sur le verset ça que nous jouons dans le chapitre 16. Le verset 10, il parle de parabole économique prudent. Nous ne pouvons pas nous dans le chapitre là, mais comment on va dans le chapitre là, où il y a un homme qui t'a manage, qui t'a géré bien ou l'autre. Et puis les gens vont côté où elle a le petit job, lui relè pour foncer les potes mal taillés, de façon à ce que pour les job pour gagner un monde qui était favorisé. On prend, il était balancé des bagailles, et puis qui est capable de permettre que lui-même lui gagne de quoi vivre. Mais dans verset 10 là, il dit un pareil. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'aide aussi dans les bras. Comprends? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, hein, qui vous confiera les véritables? Si ça qui est dans les qui injuste ou pas fidèle là-dedans, qui moun qui va le faire ça qui est juste? Parce que quand vous avez dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est en dessous, ça pour l'autre monde. Qui vous donnera ce qui est là? Si mon Dieu bat pour gérer l'argent, ou pas fidèle là-dedans, vous ne connaissez même pas, ou pas besoin de vous. Parce que si vous ne pouvez pas gérer les sales bon je veux dire, ça vous pas besoin de vous. Mais les gens pour le tableau, ils ne peuvent pas vous, parce que sales bon je veux dire, ou pas gérer. Parce que nous disons, il n'y a pas vous. C'est le manager, c'est Géo à gérer son économie souillée, ou bien pour faire travail de bonnes bonheur. Salomon pas prononcé parole que Agur dit dans le chapitre 3. Il dit retirez pas ma richesse et pas faire mon pauvre. Parce que si vous êtes riche, c'est le pauvre galop. Par contre, si vous voulez donner l'argent à vous, vous changez de classe, vous changez de comportement, vous changez de langage. Même si vous ne pouvez pas parler avec vous, avec toute souplesse, depuis le vide dans l'argent, vous allez démonter, vous allez changer. Je vous invite à dire, pour vous arrêter dans la souplesse, bam, mes petits diens, c'est bon. Bonne quotidien. Je n'ai pas besoin de ma riche pour ses sécurité, garder pour gagner, etc. Pour ne pas dormir la nuit. Mais bonne quotidien. Ça fait ça, ça fait non dit. Et l'argent c'est une, mais je manette l'argent sur l'autre. J'ai besoin de m'attirer l'attention. Le 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10 là. Et il dit que, le verset 8 là, il dit, et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces et de bénédictions afin que vous possédiez toujours toutes choses et de quoi satisfaire à vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. Nous voulons essayer d'aider à comprendre que bon Dieu lui-même lui apprécie leur bail. Parce que l'on va aider l'autre monde pour être capable de vivre. Dans 1 Chroniques chapitre 29, le verset 10 à 14, nous jouons David qui va prier qu'il fait. Et c'est pour ça que nous avons parlé aujourd'hui. Hein? L'on va glorifier le nom de Dieu. David dit, David bénit l'Éternel. En présence de toute l'assemblée, il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'éternel Dieu de notre Père Israël. Verset 11, là. Il dit, à toi la grandeur, on prie, la paix, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tous ceux qui
qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Bon Dieu. C'est toi qui domine sur tout. Bon Dieu. C'est de ta main que sont la force et la puissance. C'est de ta main à le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, oh Dieu, verset 13. Nous te louons. L'obaye ou glorifier mon Dieu. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement cet ouvrage? Tout vient de toi. Toute bagaille est sortie de mon Dieu. Et nous recevons de ta main ce que nous voulons. Sans bailler mon Dieu, on a choisi pour bailler mon Dieu. C'est pour mon Dieu lié et c'est là même mon Dieu est sorti. C'est mon Dieu bailler encore qui m'a dit pour bailler. Tout vient de toi. Et ça a besoin de vous capable de comprendre. Tout vient de toi. Bye, glorifier mon Dieu. En tournant back, dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Lors du verset 10 là, nous joignons pour nous voir qui ça lui dit. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Là où bail glorifier mon Dieu. Et mon Dieu qui est où bail la lui-même qui bail semence au semeur. Bon Dieu ça, l'Ibaba vous fournira. Bon Dieu a toujours bail. Bon Dieu t'a additionné, oui. Mais choisir pour le multiplier. Parce que l'autre, 5 plus 5 avec 5. 5 multiplié par 5, c'est des bails de Dieu. Il était qu'à additionner, mais choisir pour le multiplier. Amen. La multiplier bénédiction, les ou bail, ou bien là où fait ça, mon Dieu m'a donné. Non seulement la multiplier, mais il a augmenté les fruits de votre justice. Vous avez bien accusé. Vous avez dit que vous mal de vous-même. Mais bon Dieu, non seulement il a baou, il a multiplié, il a augmenté les fruits de justice. Vous serez de la sorte. Les bon Dieu baou, les bon Dieu multiplié, les bon Dieu augmenté. Laisse ça, ou à enrichir à tous égards. Amen. Laisse-toi enrichir à tous égards. Yes. Ou capable de l'argent dans le banque account pour que vous ne pas contrôler. Mais l'ordre de santé, vous êtes riche. L'ordre de la paix dans l'esprit ou la maison, vous êtes riche. L'ordre de santé, vous êtes riche. L'ordre de côté petit, vous côté madame, vous côté marié, vous êtes riche. L'ordre de côté pour dormir, vous êtes riche. Lorsque nous marchons, nous passons pour nous camper pour attendre bus comme si nous avions un bus pavé, nous apprenons la pluie, nous apprenons la neige, nous apprenons la pluie, tout passe sur vous, nous sommes un monde riche. Et ça veut dire que vous serez bénis à tous égards. La folie, la multiplier, la augmenter et la enrichir à tous égards. Si je dis à tout le monde, tu as dit que tu as besoin de son extra cash. Qui est dans sa lap, tu as considéré au même genre avec Elon Musk, le Facebook guy, le Tesla guy, le Bill Gates, et so on, le Warren Buffett, et so on. Et même lui-même, tu as dit son extra cash. One more time. They don't take it. The Amazon guy, all of them. Mais bon Dieu dit, la fournit, la multiplié, la augmenté, et non seulement la augmenté, ou a enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité
qui par notre moyen feront offrir à Dieu notre action de grâce. Où est le largement contribué pour le service de l'évangélisation, pour le service de Dieu? Oh yes. Eh bien, bon Dieu a enrichi à tous égards. Yes. Après, si vous comprenez que l'homme, vous ne comprenez pas la même chose. C'est laisse la machine à décider pour checker le Dieu là, d'accord? Yes. Après, si vous comprenez pas l'homme, vous ne comprenez pas la même chose. Certainement, vous allez servir tout à l'heure, mais vous allez tout à l'heure. Vous allez faire un bon point de bon monde qui mourit, bon monde qui malade, tout problème quelconque. Par contre, souvent, on a décidé pour servir la terre, on était passé. L'écraser, ça peut être dans une zone là, pour obliger mon à dégager pour aider dans ce sens. Vraiment, dis là. Mais là, vous obéissez à la parole de l'Éternel, vous serez de la sorte. Pour libéralité pour gagner, hein? Comprendre? Ou pour moyen pour bail, pour offrir à mon Dieu, action de grâce pour faire à mon Dieu tout travail, mon Dieu capable de faire. Mon Dieu a fourni, l'a multiplié, l'a augmenté et vous serez enrichi à tous égards. À tous égards, vous avez été là-dedans toutes sortes. Toutes sortes. Sans j'ai servant qui a témoigné pour l'expliquer comment l'ange est dans hier. Vous l'avez expliqué comment le docteur fait dernier test là. Pendant qu'il y a tant qu'humain, il y a inquiété. Chaque fois, vous avez bien aimé. Vous avez besoin de souffrir, vous priez pour le monde. Vous priez pour lui. Amen. 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 Priez pour lui. Priez pour lui. Même si vous n'avez pas tendu un jeune homme, après vous avez tendu le témoignage de notre servante qui a expliqué ça, bon Dieu fait. Levez-moi les mots du bon Dieu, c'est grâce à vous. Et c'est pas comme ça. Oui, l'Éternel dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait de quoi. Car Dieu a déjà révélé à son serviteur pour le parler, bien que nous ne pas comprendre, nous ne sommes pas mode pour nous dire, this is what I saw. Par exemple, si nous avons un combat, malgré le Covid, et puis nous prenons un défaut pour nous, mettez dans la prière. Ça va d'où la prière du juste? Laissez-moi dire ce qu'il faut pour prier pour le monde, réellement prier avec lui, et du moins, prenez-nous prier pour lui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Eh bien, le Proverbe, chapitre 10, et le verset 22, il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Les mots disent que vous avez enrichi à tous égards. Eh bien, c'est bénédiction bon Dieu lui-même. C'est bénédiction bon Dieu lui-même qui a enrichi. Les mots bon Dieu viennent enrichir ou pas aucun chagrin. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ont l'argent. Vous faites la mauvaise condition. Vous faites la mauvaise condition. Il n'y a pas qu'à dormir, il y a une inquiétude. L'argent chaud dans mes yeux, les choses dans ma tête en plan. Yes, il y a une inquiétude tout le temps. Ça veut dire que tu n'as pas qu'à jouer l'argent parce que tu n'as pas la santé, tu n'as pas qu'à dormir, tu stress. Mais la bénédiction éternelle, laissez-lui même l'air béni par la bénédiction éternelle, et bien pas de chagrin ou dormir, que vous. Pas besoin ni comprimer, ni mûre pour dormir, mais on dormit que vous. John D. Rockefeller, he was the Bill Gates at this time. Dans l'état de la Bible, le roi Warren Buffett est mort. Les gens disent, mais how do you make it? Il répond pour le dire, 10-10 age. Il baille 10%, il save 10%, et il vit sur le 80%. Ça, c'est comment ça le fait. Alors, quand il y a des gens qui ont un problème, pour qu'ils comprennent comment pour qu'ils comprennent des choses. Alors, on va dire qu'est-ce que je veux dire. Pas fait mathématiques. Pas fait mathématiques. Les plus grandes classes économiques, c'est vraiment vital. C'est à 41, c'est lui-même. Il y a un côté qui vous protège, qui vous aide. Comprendre les notions de Dieu qui a créé avec vous pour vous faire. Votre salaire, laissez deux chiffres liés, one décimal. Laissez trois chiffres liés, tout décimal.
Laissez 4 chiffres liés, 3 décimaux. Laissez 5 chiffres liés, 4 décimaux. Ça, c'est pas. Juste pour envie de le mettre. 2 chiffres, 1 décimaux. Oui, c'est 4 liés, 44. Que veut bien c'est? C'est qu'on soit baillé pour ça. Une jeune garçon, vient contre pasteur. Pasteur a prié avec elle. Le pasteur a prié avec lui. Lui fait une promesse pour lui toujours bailler 10% dans tout ça. Chaque semaine, il recevra 40 dollars. Pendant qu'il a étudié pour carrière. Chaque semaine, il fait 40 dollars. Il baille 4 dollars très facile. Il va crier, il va avoir problème, il va sentir, il va faire mal. Là, il se va lui aller venir, oui. Bon, mais il retire la dedans. Pendant que ça a beaucoup de moins, même si tu as marché moins 5 bouts d'attente ou bien 10 bouts d'attente, il retire 10 bouts d'attente. Après, je vais retirer 10 bouts d'attente. J'ai une garçon qui a fini de graduer, il a une carrière. Libin a touché 5 000 dollars pour 10 000, c'est 500 dollars. Là, le pasteur a dit, pasteur a moins besoin pour moi sauter. L'encontre à ça, a été fait avec mon Dieu. Pasteur a dit, frère, je ne sais pas si vous avez aidé l'envie de faire une promesse à mon Dieu. Mais seulement ça, vous avez fait. On nous a apporté mon Dieu pour nous prier pour mon Dieu, tout le monde le calme. Parce qu'il y avait 40 dollars. Parce que mon Dieu aime les gens qui baillent avec joie. 5 000 dollars pour recevoir, pour payer 500 dollars. Eh bien, bonne mal prier, mon Dieu, pour mon Dieu, tourner en bas dans 40 dollars. Et parce que c'est pour pas nous lever, pour pas croire, pour pas craser les promesses qu'on a fait avec mon Dieu. Non, elle parle de moi. Mais en tout cas, de nous lever nous-mêmes. Est-ce que nous ne pouvons pas craser les promesses que nous avons fait avec mon Dieu? Lorsqu'on fait augmentation, qu'on y a là, au lieu pour dire pour augmenter, dire que nous avons testé, parce qu'on a une machine, dis-le après comme là, soit 40 plans, ou un téléphone, libre, soit 40 plans, assurance, libre, soit 40 plans, Netflix, libre, soit 40 plans, gym, libre, soit 40 plans. Qui ça encore? Qui gagne? Tout le monde connaît qui nous gagne dans le pays. Vous comprenez? Libre soit 40 ans. L'autre côté prend libre soit 40 ans. Et puis, quand il y a ça, il y a 1000 dollars. 1000 dollars, ça, c'est 1000 dollars. Nous allons le dire. Dis-le, les malachis disent, nous rampons Dieu, nous rampons. Comment nous va? Comment? Parce que ce n'est pas ça qu'on fait, vrai? Ce n'est pas ça qu'on fait. Parce que si on fait ça, vous êtes depuis en l'air. Vous êtes payé dans l'air, ça peut être là même. On ne sait pas ça où tu recevras après. Ce soir, on balade quand même 5% même. C'est vrai. Oh, that's fine. That's fine. Mais là, on va à la fin de l'année, ou bien l'autre chez Taxou, qu'on y a est-ce qu'on y a là, ou songer que ça où tu balades, ce n'est pas 10% de l'air. Ok. L'autre, ça l'a dit avec. 10% nous joignent parce que ça n'a pas aidé de commencer les biens jeunes avec Melchizedek. Jésus-Christ fait référence à lui-même, Paul va parler de lui-même, je fais des choses à lui-même de côté. Pour parler de scribio ou de pharisien qui a payé 10 même avec paiement. Pendant ce temps de vie qui a payé, hein? C'est pas ça que vous demandez. Mais il y a fidèle, même 10 même paiement. Il y a gagné, il y a payé 10 là-bas. D'ailleurs, quoi au dimanche non? Pour lire. Réponse à vos questions bibliques de Pasteur Lili et lui. Et le fait que vous allez parler sur lui. Tout le monde va être dans 10%. Papa, maintenant, lui baille 100 dollars, 0, 1 cent. Pour qu'il s'appelle qu'il y ait quelque chose de peine. Ou bien lui baille 100 dollars, 50 cents. Baille 100 dollars, finir ça. Yes ou non? Comment? 102 dollars, 23 cents, 25 cents pour qu'il y ait chaud, payer 10 000 de paye. Mais là où on fait là, Abraham a choisi volontairement pour te faire la même que c'est. Bon Dieu autorise Moïse pour le faire passer dans la loi. Nous la réponse pour faire passer dans la loi. Mais les crises viennent, les mandats pour s'organiser, bon Dieu, ou même bail selon.
cœur. Ce soir, on était dans 10% ou loin de Dieu. Ou loin de Dieu. Ou loin de Dieu. Parce que 10% est un basic. Votre passé n'est pas mal. 10% is a good way to start. Mais lorsque tu as 10%, laisse ça, ou à bien connaître, ou à bien ouais, côté bon Dieu lui-même, la prôner, la augmenter, la multiplier, la enrichir, et puis laisse ça pour y aller, ou à bien comprendre que 10% c'est base à lui. Mais c'est pas ça pour bailler mon Dieu. Par contre, si vous faites un petit monde, on laisse $100 au aller, mais on laisse c'est $100. Parce que l'autre coup, le dollar, c'est l'être économique qu'elle dit. Mais les $100, pour y aller, il n'y a pas de vie d'avoir encore besoin d'un bonhomme, pour y aller. Il y a besoin d'un compte, il y a besoin d'un côté. Si vous avez un Christ, si vous avez un bail là, et bien, bien, j'ai un besoin d'un côté, vous avez un côté, vous n'avez pas compris comment vous servir avec mon Dieu. Pour nous finir, nous avons besoin de planifier ce qu'on a dépensé. Nous dépensons n'importe comment. Dans sa nouvelle loi, impose bail en économie. Vous mettez vos potes là, tout ça est derrière. Pendant que vous avez un carré sorti, vous voyez le jour où est dehors. Quand vous êtes dehors, vous avez un peu de temps. Vous voyez le jour là où est vous voyez le jour là où est lunette. Vous voyez le jour là où est lunette. Ça arrive là pour attirer l'attention. Et ça fait que nous avons un crédit card, vous payez votre crédit card. Ou pour notre crédit card, pour notre crédit card, nous sommes toujours en dette. Mais l'homme de bien, lui, a planifié ça, l'a dépensé pour qui ça? Parce qu'il faut quitter héritage pour petit prix. Héritage pour petit prix. Ou pas dépenser de votre commun. C'est ça que fait tout, ou besoin de planifier, soit à dépenser. Et comment planifier, soit à dépenser? Nous pensons que l'évangéliste a fait plusieurs séminaires, surtout avec les hommes, ça nous le budget. Il y a une famille qui décide pour être capable de planifier ça y a fait. Vous mettez tout le bagage sur le budget. Pendant qu'il y a plein de bagages sur le budget, et puis Marie a vu garder le besoin d'un golf cart ou something. Et puis il dit, madame, dans ça, on a dit, non, nous ne sommes pas capables parce que tout est planifié, mais ça n'a pas dépensé pendant moi ça. Mais tu as besoin de votre. Et maman a dit, Mr. Budget, c'est non. Mais maintenant, il est sorti, il y a une belle valise qu'il a besoin d'acheter. Et puis, il dit Maria, tu n'as qu'à distinguer cause de on sait la vie, il n'y a pas de faille, il y a un mouillé. C'est un ami, mais c'est bon, c'est bon. Pendant qu'il y a une machine avec un petit monde, il n'y a pas de la migdale. Mais, gagner dans l'époque, ça, l'acheter migdale, nous conseillons de l'acheter, acheter pour y avoir un toit, il y a un toit. Mais quand il y a un tout qui n'a pas de toit, il y a un toit. Si mon n'a pas dans son route, il dit comme ça que quelqu'un de moi tout détruit. Et puis, maman vient et me dit, non baby, Mr. Budget, c'est non. Si mon n'a pas dans le cadeau. Et puis, les cadeaux 5 ans. Et puis, il dit, I hope Mr. Budget, I wish Mr. Budget would die. Pendant qu'il a dit, il t'a souhaité Mr. Budget mourir, en pile nous-mêmes, tout est bien pour nous capables de dépenser l'argent en même pas pour nous. Acheter ça n'a pas de besoin, ça n'a pas de nécessité, ça n'a pas de parler parce que tout est bien ce budget. Il dit qu'on est bien, chacune de tes brebis donne soin à tes bébés, car la richesse ne dit pas toujours, ni le pouvoir éternellement. Léo, qu'on a parlé là, c'était pour cet homme, les plus riches, c'est leur grand pile brebis, leur grand pile chameau. L'organe pile bruit, l'organe pile bœuf, l'organe pile mouton, pile gâteau. C'est comme ça, on n'est pas dans ce stade. Après la tour, là, pour ça, si on veut évaluer les richesses, pas le nombre d'animaux proposés. C'est ça, il dit, ou besoin de bien connaître son organe, ou besoin pour connaître nos conditions. Parce que richesse, pas de répondre. L'argent dans le monde, acheter ce qu'on a besoin là-dedans, dans leur besoin. Parce qu'on parle de la ville, l'offre pour un ville là, ou pas gagner. Ou pas vouloir l'acheter un bagage, ou pas gagner. Il y a des gens qui achètent un bagage, qui ne peuvent pas gagner un bagage là, parce qu'ils vivent là trop. Ce n'est pas parce qu'on peut mourir dans le travail pour décider qu'il y a besoin d'une machine neuve. Si la machine a fonctionné, elle n'a pas toujours. Continuez avec nous toujours, on continue de travailler avec nous. Ce n'est pas parce que c'est comme si vous aviez ouvert une promotion.
Là, parce qu'on fait une promotion qui dit, ma produit Toyota encore, ma produit Mercedes. Ou besoin pour capable planifier, planifier ce que nous. Pour qui ça, parce que ça, mon Dieu, pour gérer. Hein? C'est pour ça que mon élève pour lier, c'est mon Dieu pour gérer. Soyez bon. Que mon Dieu est capable de bénir. L'homme fait ça, mon Dieu, m'en offre. Comme nous, qui n'a jamais prié des produits, chapitre 9, verset 10. Mon Dieu a fourni, mon Dieu a multiplié, mon Dieu a augmenté et mon Dieu a enrichi. Et laisse ça, la enrichi ou a gagné dans toute espèce, tout côté, mon Dieu a enrichi. Ou même qui veut bénédiction, mon Dieu, n'a pas de suivre ça, mon Dieu m'a dit de vous faire. Que mon Dieu l'a béni.